quanto segue è ispirato a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. Les vacances en Italie, eh ben, ça fait rêver. Si ce n'est que dans Storia di Vacanze des frères d'Innocenzo, eh ben, les vacances, c'est pas top puisqu'il s'agit d'histoires de famille particulièrement sombres. Les frères d'Innocenzo ont des comptes à régler avec leur Italie natale. Ils avaient co-signé le scénario de Dogman de Matteo Garrone, un film assez cynique, et réalisé Frères de sang, un film sur la mafia particulièrement sinistre. Le film m'a fait penser à ceux d'un réalisateur que j'adore qui s'appelle Tozzo Lanza, à qui on devait Happiness. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est méchant au possible. On n'a pas du tout envie de faire partie des familles que décrivent les frères d'Innocenzo. Comment ça va? Italiano 10, inglese 10, seconda lingua comunitaria 10, musica 10, arte immagine 10, scienze motorie sportive 10, comportamento 9. Paradoxalement, en italien, Storia di Vacanze, histoire de vacances, ne s'appelle pas ainsi. Il s'appelle Favolacce, ce qui veut dire conte de fées. C'est bien évidemment une blague, car les contes de fées, les enfants des familles du film n'en connaissent pas beaucoup.